Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de Torrox, situé en Andalousie, en Espagne. Nous allons tout faire à pied. Si vous êtes bon marcheur, il n'y a aucune difficulté, mais juste du plaisir. On distingue deux villes en une seule. Torrox Costa, qui est située en bord de mer, et Torrox Pueblo, qui est la vieille ville. Il faut savoir également que Torrox a été promu meilleur climat d'Europe. On commence la balade par Torrox Costa et sa mairie. C'est ici également que se trouve l'office de tourisme, où nous allons récupérer un plan pour éviter de nous égarer en chemin. On se dirige ensuite vers la Villa El Recreo. C'est une villa de style Belle Époque du 19e siècle. Jusque dans les années 1990, on pouvait profiter de son immense jardin, composé d'une trentaine de palmiers. Depuis, malheureusement, elle est fermée à la visite. Ensuite, on prend la direction du balcon de la Méditerranée, appelé aussi balcon Mirador du Phare. C'est une structure moderne du début du 21e siècle qui ressemble à la proue d'un bateau. D'ici, on peut admirer la mer Méditerranée ainsi que les plages. Mais le plus déstabilisant pour moi, c'est son sol transparent composé de fer et de verre, où on peut y voir quelques vestiges romains. Alors, bien entendu, je ne vais pas m'aventurer sur ce sol. Mon vertige me l'interdit. Mais comme on est curieux, on va essayer d'aller jeter un œil en passant en dessous. Alors, effectivement, on y voit quelques ruines, mais vraiment rien d'extraordinaire. On continue et on va directement au phare qui se trouve juste à côté. Ce phare date des années 1860. À l'intérieur sont conservés des vestiges romains,
C'est ici aussi que se trouve le musée marin. Ensuite, on va se diriger vers Calasset, qui se trouve tout à côté de Torrox, afin d'y voir une tour de guet. En chemin, on passe devant ce château miniature. Magnifique, un travail extraordinaire de cet artiste. Mais aucune information concernant ce château, ni qui est ou qui était Karima. La voilà, là-bas, au fond, la tour de guet qui nous intéresse. Mais on n'y est pas encore, alors on continue. On passe devant ce rocher en bord de mer, transformé en sanctuaire. Sur la roche ont été placées des photos de la Vierge de Carmen, patronne des marins. On y voit aussi des galets avec des messages très personnalisés. Nous y voilà, nous sommes devant la tour de Calasset. Elle date du 15e siècle et sa construction est principalement faite à base de sable et de chaux. Mais comme on en veut plus, on va essayer de monter au plus près. Déception, c'est fermé. Mais pas de regret d'être venu jusqu'ici, car la vue est vraiment magnifique. Le lendemain, on part à la découverte de Torrox Pueblo, c'est-à-dire la vieille ville. On veut commencer par l'ancienne sucrière Saint-Raphaël, que l'on voit là-bas au loin. Mais c'est trop loin. Alors on va monter pour la voir de plus près. Et ça se mérite, car Torrox est une ville en hauteur. Voilà cette ancienne usine, elle est située juste à l'entrée de Torrox.
C'est une construction qui daterait des années 1850, d'après les informations retrouvées sur place. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une ruine. On continue et en chemin, on va profiter de ce point de vue. Hélas, le point de vue est un peu gâché, car juste en dessous, c'est aujourd'hui un parking. Pas grave, on reprend notre montée. Pour cette fois, nous diriger vers le couvent Ermitage Virgine de Las Nieves. Sa construction daterait du XVIe siècle. Cet édifice est construit sur un promontoire panoramique, d'où l'on peut admirer le paysage de la Costa del Sol. Juste derrière, on remarque une porte ouverte avec un espace intérieur qui attire mes yeux. Oh, eh bien, je ne regrette pas d'être rentrée. C'est vraiment superbe. Allez, on retourne vers l'ermitage pour le voir de l'intérieur. Bon, à présent, direction le centre de la vieille ville. Et on va tout de suite se faire plaisir avec ces jolies ruelles.
qui nous a menés tranquillement sur une grande esplanade très colorée. On continue à prendre de la hauteur pour arriver dans ce petit jardin. Qui nous emmène directement sur la place de la Constitution et de sa mairie. La statue El Miguero montre un homme soufflant dans une conque pour appeler ses collègues pour le festival des Migas qui a lieu chaque année avant Noël. Cette place avec ses jets d'eau est très agréable. C'est ici principalement que vous pourrez profiter des restaurants et des cafés. Juste derrière la mairie, on trouve la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. De style baroque, elle fut construite au sommet de la mosquée principale au début du XVIe siècle. Actuellement en travaux, on n'a pu la voir que de l'extérieur. On retourne vers la place de la Constitution et cette fois on s'arrête sur la place de la Hoya. Très jolie place avec ici aussi des restaurants et des cafés. On y trouve le buste d'un personnage célèbre du village de Torox.
celui d'Almanzor, né dans les années 930. En arabe, Almanzor signifie le magnifique. On reprend la balade et toujours au gré des ruelles, avec ses maisons blanches et colorées. Dans certaines de ces ruelles, on voit encore comme ici des passages étroits et pas très hauts qui permettaient autrefois de traverser les habitations. On arrive à présent sur cette très jolie petite place. C'est la place de Saint-Roch, où se trouve également sa chapelle datant du XVIe siècle. On repart et on arrive devant la Casa Aduana, bâtiment datant du XVIIIe siècle. La rue Baja, où elle se trouve, était un point stratégique à l'époque, car lieu de passage obligatoire des produits destinés à la vente. D'où l'idée de faire de cette maison la douane, afin de toucher les impôts de l'époque. Vraiment par un pur hasard, nous voici devant cette toute petite ruelle. Mais quand je vous dis pas grande, c'est plutôt vraiment pas large. C'est malgré tout très beau à voir et très agréable.
De la même façon, on se retrouve ici devant cet ancien mur de défense qui appartenait à l'ancienne forteresse arabe. Il n'en reste que deux, celui-ci et un autre situé dans la ville. Alors le clou, et pas des moins surprenants de notre visite de Torox, c'est la beauté de la rue Kahle-Nerjan. D'ailleurs, promu premier prix de l'embellissement en 2004. C'est magnifiquement coloré et décoré, et c'est tellement bien entretenu. Si j'avais pu, je me serais posé là pendant des heures pour en admirer tous les détails. On finit ici, dans cette petite cour extérieure aux murs décorés de mosaïques. C'est très agréable aussi, mais beaucoup moins fleuri. Et voilà, c'est ici, avec cette magnifique tonnelle de fleurs, que se termine notre balade à Torox. C'est un très joli village et sa vieille ville est à découvrir si vous passez par là. Dans la prochaine vidéo, on vous emmènera à la découverte de Nerjan et je pense que là aussi, ça nous promet une jolie balade. En attendant, belle balade à vous tous, n'oubliez pas le commentaire qui me fait toujours plaisir. Et pour suivre nos découvertes espagnoles, eh bien, abonnez-vous. À très bientôt. Bye bye.